Bon, c'est nice. Pour la dernière game de la journée, on joue un match-up qui est intéressant. Alors, Nidalee Sin, c'est vraiment un match-up qui est prenant. Bon, après là, du coup, pour le test, on joue Predator. Il faudra bien garder ça en tête. Et ok, top. Gasporo. Ah, du coup, le GP que j'avais depuis tout à l'heure s'est mis sur Riven. Ok, intéressant. Ouais, peut-être que le GP était ban, je sais plus. Attends, je vais check. Ah putain, c'est bugué. Bon, je saurais pas dire du coup. Il est contre un Olaf. Oh putain, c'est ballsy de prendre Riven sur Olaf. C'est pas comme si le match-up est pas si agréable que ça pour Riven, honnêtement. On a un TF mid. Okay. En vrai, je vais essayer de mettre de la pression topside dans cette game. Ah, mais qu'on est contre une Nidalee, on va pas déconner, on va quand même start au raid. Et on verra. Déjà, on va regarder un peu où start la Nida et on va adapter pas mal à ce niveau-là. Warder ici. Ça me fait un peu chier cette ward. Faire avec. Je pense vraiment qu'elle est start au raid, Nidalee. Master yourself, master the enemy. Ok, je vais décaler parce que ça va partir en fiesta là. J'arrive. Coming to the party. Ok, moins un. Ah, il y a trop de CS là. Il faut attendre que ça aille s'auto. Et là c'est parti. Ok, donc c'était wardé. C'était wardé, c'est pas grave. Ça a forcé un flash de Bard, c'est honnête. Ouais, j'aurais peut-être pas dû tenter le Q-spell, tu vois. Parce qu'il y a quand même de fortes probabilités que ce soit wardé quoi. Mais ouais, ils ont changé le visuel du Q-spell de Lee Sin. Ouais, ils ont 100% changé mec. Mon Nidalee a sûrement pris mes Raptors, c'est pas grave. C'est ok, Riven s'est fait solo kill par le Olaf, prévisible. Pas très grave. Dommage que Nidalee soit pas mort sur l'early game. On est sorti avec pas grand chose d'HP et personne n'a pu la finir. Non, Riven, pas. Not again! Bordel de merde. Il check les Raptors de Nidalee, mais normalement, il s'en fait, y a pas de raison qu'il soit up. On sait jamais, y a peut-être une route de jungle. Large. Nice. On a bien fait d'aller check du coup. Ah,
to yourself. Waste not a minute. Le chien, c'est que j'ai pas de ward. C'était très close ça. Extend your senses. C'est bien, ça donne l'info sur Nidalee, ça met la pression, c'est vraiment pas dégueu. Nice, flash futienne. On va continuer de mettre du rythme. We do what we must. Ouf. Oh, oh, c'est une sacrée patate ça monsieur. Oh mon dieu. Rien ne baigne mon pote. Je perds peut-être mon rouge du coup, fait chier. Même probablement je perds mon rouge. Tant pis. C'est... En vrai si je perds mon rouge c'est 100% my bad. C'est d'ailleurs que j'ai clairement pas assez réfléchi à ce qui arrivait sur la map avant de faire mon grand. Parce que bon. Oui certes on prend la pression bot avec ça et tout mais... Et ça me fait perdre mon rouge sur ma seconde phase early game, c'est pas worse. Et bah, j'ai de la chance, Nidalee est pas super agressive. Enfin, c'est vrai que je joue Predator, putain. La surprise. Relou. Crap de merde. Je voulais juste checker que c'était pink. Waste not a minute. Ok. Oh, t'es sérieux, prends pas. J'aurais dû flash plutôt, j'aurais dû flash la hache. Putain de slow de merde quoi, c'est tellement insane le slow du cul de Olaf. Quelle erreur de pas le respecter. Ah, my man. Il y a un flash TF? Ok, ça peut le faire. Ah non, en fait ça peut pas le faire du tout, genre. J'ai rien dit. C'est pas Super Wars du coup, celui-ci en vrai pour lui. On va prendre le level 6 et on va les battre, je pense. Non. Non, j'ai besoin que tu te mettes devant. Ah, après on prend un kill, alléluia, mais... a besoin que le MR s'avance. S'il prend le Q-spell, par contre, on les éclate. Voilà. Ça reste un pour un, c'est très bien. That's fine. C'est pas giga worse pour moi, parce qu'honnêtement, j'aurais bien besoin d'être un petit peu plus devant, là. Tu vois, genre le rôle, c'est que Nidalee, il claire plus vite que moi, vu que je suis pas spécifiquement devant. Donc du coup,
Je dois un peu lutter contre un retard de niveau que j'ai sur l'Anila. Qui est pas insane, tu vois, mais qui est présent. Et notamment prendre des moves où on tue Nidalee et moi je survie. Ça me permet en fait de garder cet écart naturel à un degré qui est contrôlable. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que ce genre de move, pour moi, c'est pas incroyable. Donc, ouais. Merci, bon. Ouais, attends, c'est que elle se fait rouler dessus au top, mec. C'est vraiment pas marrant. Elle se fait rouler dessus, et pour l'instant, je suis pas suffisamment devant dans la game pour dire que je vais pouvoir compenser, quoi. Non, non, pourquoi tu cancel, gigantesque troller? Bon, ça va, c'est des énormes trolls également à vouloir continuer leur push, mais bon putain, Riven, elle m'a un peu fuck up quoi. Ça, je lui mets le ping et tout, je craque mon Predator et elle part instant du move. Ça aurait été un peu triste. Arrive pas à cliquer derrière. Je pense que ça fait un peu chier d'avoir l'Hérald avec Lee Sin. Ça m'enlève mon dashboard avec la trinket notamment, mais c'est pas grave. On pourra faire avec. Pas fan les Mercury cette game, je trouve qu'elles ont peu de value. Mais le truc c'est que les tabis ont également peu de value et il faudrait de la magic resist. Mercury. Master yourself, master the enemy. On rythme mes raptors. Hein. Si Olaf il commence à aller dans ma jungle, s'il a pris mes raptors, honnêtement, on n'y peut rien.
Dommage. Où je puisse me heal là. Fais ça vite fait. Et on voit après si on peut se rendre utile. Je suis désolé, je lâche le pire Hérald, mais... Ouais, clairement, c'est vraiment pas le meilleur Hérald. Ça va mettre des dégâts sur la tourbot, mais... non, c'est que j'avais plus le temps, quoi, malheureusement. Bon, ça c'est vraiment le truc qui m'attriste un peu maintenant avec Lee Sin, que t'as plus les item awards. C'est que tu peux plus vraiment faire de red trinket avec Lee Sin, sinon tu perds tes trinkets et ça fait vraiment chier quoi. Et c'est une des raisons pour laquelle maintenant avec Lee Sin tu joues Ingenious Hunter, parce que du coup ça réduit le CD de ta trinket. Et genre ça fait vraiment vraiment chier de pas avoir la trinket. J'avoue que excellent call ça. Très très bon call monsieur. Il est absolument hors de position. Mec c'est chouette le Predator hein. Et pour l'instant mec c'est... This is great. I have good feeling about this. Hey, il tank. Nice. Nice. Let's go. Niveau traitant, ça va? Ça va. Non, on peut pas prendre ces raptors. Oui, merci, singe furieux, mec, pour les 11 mois. C'est pour le soutien, bon. Waste not a minute. Prendre le bleu, ouais. Faut pas le laisser là trop longtemps. Faire bleu, louer, je back. Allez, top side. Ah, faut pas que tu meurs, Pyke! Ah, il est tellement mort. Il a un flash. Dommage.
Allez, Riven, montre-lui à Lucian. Voilà. Là qu'on veut, putain. Ah oui. Un peu loin, elle meurt. De toute façon, c'est ça qu'on veut jouer, donc c'est pas très grave. Ouais, je vais aller direct en fait. Fuck les raptors. Fuck les raptors, mon pote. Et tant pis pour la tour top. Oh, on en a un peu rien à foutre. Avec notre composition d'infernal, il a une value incroyable. Aïe aïe aïe, il a perdu du canon, ça blesse. Oh, stun. Oh, loot. Sa mère. J'avais pas d'énergie quoi. Avec de l'énergie j'aurais pu me défendre, mais là j'étais vraiment, tu m'entendais spammer mes spells, mais j'étais en mode y'a pas de ressources. Oh putain, c'est gagné ça. Let's go. Wouh, c'est mon game ça. Pas trop fait de merde, je suis content. Je suis content parce que je te jure, ces derniers temps je trouvais vraiment que mes games étaient pas assez propres. Et là ce matin, putain, on arrive à faire des petites games nickel quoi. On honore qui? On va au nord. En vrai, on va au nord Riven pour s'être fait éclater le cul et ne pas avoir été toxique ou tilté. C'est très rare venant d'un joueur de Riven. Donc je pense que ça mérite un honneur. Predator Lysine, c'était pour test ou ça se joue? Alors c'était pour test. Et honnêtement, mec, sur cette game en tout cas, faudrait... Alors, voilà, évidemment, il faut que je fasse plus de games pour me faire un véritable avis. Sur cette game, j'ai eu un très bon feeling avec la rune, tu vois. Genre, un meilleur feeling. Pardon. Un meilleur feeling que Dark Harvest en tout cas. Tu vois, genre Dark Harvest, j'étais en mode ouais, c'est ok, mais c'est pas fou. Electrocute, c'est ok, mais c'est un peu de la merde actuellement. Bon, mec, Predator, tu vois, il y a eu plusieurs moments où le pop Predator, ça me met vachement bien, tu vois. Genre, c'était vraiment. Bah, c'était cool, quoi. J'ai trouvé ça utile. Donc, ouais, j'ai bien aimé. À voir, à continuer, faut que je fasse d'autres tests et on verra si vraiment c'est un truc que je veux garder, quoi.